Ok, alors aujourd'hui on est mercredi et on va enfin se rendre à la mosquée, à la grande mosquée de Touba. Donc pendant le Magal, en fait, c'est là où tous les gens vont pour faire ce qu'on appelle le ziyara. Le ziyara, c'est juste des sortes de prières, incantations, etc. Donc on va se rendre à la mosquée, on va prendre un transport, on va à la mosquée et on va faire nos ziyara. On va vers là où on a enterré les marabouts. Parce que eux, les marabouts, ils ont ce qu'on appelle la baraka. Uh-huh. Quand tu es là-bas, tu fais des invocations, tout là, ah, prières, oui, okay, tout ça là. Ça a des bienfaits en fait. Ok, ouais. C'est ouais. Juste la croyance. Ok, bah on y va alors. Allez, let's go. Bon, là on va monter la charrette, ça coûte 200 francs par personne. C'est deux jours. Vas-y, monte. Voilà, on est monté. Et on prend la charrette avec le cheval pour se rendre à la mosquée. Ah ouais, il y a trop de charrettes là. Ouais, trop de charrettes. Trop de charrettes. C'est chargé là. Ah bon, t'es chargé quoi. Il interviendra. Il agira. Il agira. Ah ouais, pourquoi? Ils sont en train de batailler. Ah. Les apprentis de l'histoire. Le bus que vous avez monté là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Carabine. Carabine. On va à la mosquée là. Le transport c'est combien? 200 francs. 200 francs. En Wolof? 200 francs. Nien Foucou. Nien Foucou, oui. Nien Foucou. C'est cher ou bien? Non, ça va. C'est moins cher. C'est pas cher. Oui. Mais il fait chaud. C'est trop chaud. Et le carabine c'est rapide. C'est rapide? Mais là il y a des embouteillages, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'embouteillages. On est arrivé à la mosquée, on voit qu'il n'y a pas beaucoup trop de monde par rapport à hier et avant-hier. Les premiers jours du magal quoi? Ouais, le premier jour du magal, si tu es venu là, tu ne pouvais même pas rentrer. Ah ouais, tu peux pas marcher, rien de tout. Tu peux pas marcher. D'ici jusqu'à une semaine, ça sera comme ça. Ah ouais, d'accord. Déjà, ils sont les vents et vus en tout. Okay. Et du coup, c'est la grande mosquée, la plus grande mosquée de l'Afrique de Rennes, l'Ouest. C'est après Mazali Gouldinam. C'est de Dakar. C'est de Dakar. Ah ouais. En fait, cette mosquée, le marabout, Serif avait demandé ça à Dieu. Sa construction, il n'était pas là. Il a demandé à Dieu qu'il y ait une mosquée. Donc, ça, et celle de Mazali Gouldinam. Mais c'était après. Ouais. Après sa disparition. Ce sont ces petites fiches qui ont construit là. Alors, on peut entrer dedans ou pas? Oui, on peut rentrer dedans. Tu peux visiter. Oui. Et du coup, waouh! C'est. On ne peut pas rentrer avec des chaussures dedans parce que c'est. On peut sacrer, on peut se foutre. Ah ouais, ouais. Donc on a nos chaussures, on rentre et on fait le JRA, tu comprends comment.
Il demande 5 000 pour pouvoir aller au. On a interdit de fumer, donc on fume en secret. Ah ouais. Je crois depuis quand ils ont commencé ça. Non, il n'y avait pas ça. Ah. Il y a un gars, il nous a demandé de donner 5 000 pour monter en haut du minaret. Il y a quoi en haut? Tu montes en haut, tu vois tout. Ah ouais. Tout, c'est là où tu fais les IARA et tout? Ouais. Non, les IARA, c'est derrière. Pour avoir de la vue. Ah il ouais. Il dit ouais. Donner 5 000 là, c'est depuis quand? 5 000, c'est cher. Hein. C'est lui qui a, il a dit, c'est lui qui a créé ça même. C'est lui qui fait son propre business, ça c'est pas lui. Ça c'est quoi là-bas là? Ça c'est le bois de Serigne Fallou, là où on a enterré Serigne Fallou. Ah ok d'accord. Là où on vient c'est ici de Serigne Touba, c'est interdit de filmer. D'accord. Tu vois l'argent où il y a là-bas, ouais. C'est des millions. Ah ouais, les gens ils mettent de l'argent dans la... Ils ont c'est des millions, voilà. Il y avait un endroit là où il y avait plein de billets par terre. Trop, beaucoup trop d'argent quoi. C'est genre des offrandes, c'est ça? Des offrandes. Ah lui, tu fais quoi là? Je fais la photo pour la fille. Elle t'a demandé de prendre une photo? C'est moi qui l'a proposé. Ah c'est toi qui l'a proposé? Ah, je vais en dans le Dumas, je suis au band, après je vais avoir le numéro. Mais tu fais ça pour avoir son numéro? Non, je fais là gratuitement. Parce que... ah. Là on a enterré Serigne Fallou. C'est sa tombe quoi? Ouais, c'est sa tombe. C'est qui Serigne Fallou? C'est le fils de Serigne Touba. Ah ok d'accord. C'est le fils de Serigne Touba en bas. Ah ok. C'est parce que c'était le deuxième khalif. Ah ouais. Le premier khalif c'est Serigne Modou Mustapha. Ah. Le deuxième khalif c'est Serigne Fallou. Et la tombe de Serigne Touba c'est où? C'est où? Là où il y a l'argent là. Ah ok d'accord. Ici c'est quoi du coup Aven? Là on a la tombe de Serigne Saliou. C'est qui Serigne Saliou? C'est mon fils de Serigne Touba, mais il était le dernier sur terre. Ah ok. Il a disparu en 2007. Du coup maintenant il reste que des petits-fils de Serigne Touba? Il reste que des petits-fils. Ok d'accord. C'est ça qu'on appelle Adir. C'est quoi? C'est l'appel à la prière. Ah ok. C'est l'imam qui fait ça? Non, c'est le Bilal. Ah. Le Bilal, celui qui vient après l'imam, je pense. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est quelle prière là? C'est quelle heure de la journée? La prière de 17h. 17h. L'après-midi. Comment ça s'appelle? En arabe? Takoussa. Non, c'est le. Ah, ouais, on dit Takoussa. Takoussa. Voilà, maintenant on peut remettre nos chaussures. C'est bon. On est au marché de Touba et je vais vous montrer comment on fait pour négocier les prix. Ok. Salam alaikum. Kujaili. Yo ya Jaili. Lila la. Bim bim. Ali maman ravet non? Ravet non? Nyata la jar. 1300. 1300. Ben voilà. Pourquoi on a fait cher? 350 euros. Donc on mange tout dit. Barna, con lep 2200 pour ñaar wa barna ban mo gëna rafet bi barna argent. Comment on dit en wolof ça? Bin bin. Bin bin cristal, on dit cristal ou alors bin bin. Merci. Ok, jalejo. Bon voilà, on est un peu dans une maison, on va manger un mafé. Mafé à la viande tikadege. Bon appétit, Habib. Ouais, merci. J'ai faim. T'as faim, hein? Moi aussi, j'ai faim. Alors, ma fille, là, il est bon, mais il est très pimenté, quoi. Ouais, c'est trop pimenté. J'ai un peu de mal, quoi. C'est un peu fort. Ouais, c'est trop bon, ouais. C'est le Sénégal quoi? Ouais, c'est le Sénégal. C'est pimenté quoi? Ouais, tout est pimenté, ouais. Le mafé, c'est un plat du Sénégal ou du Mali? Ouais, c'est un plat du Sénégal même. Ah ouais? Malien, je connais pas comment il l'appelle mafé.
C'est notre plat. C'est votre plat. Sénégalais. Bon, c'est la fin là. Comment tu as trouvé le magal? Le magal, c'est bien passé. Ouais. On a fait du GA. Ça fait longtemps que c'est pas fait du GA. On a mangé. Ouais. J'ai eu la diarrhée. C'est la diarrhée. Ouais, c'était un coup, j'ai bien dormi. Okay. C'est réussi, quoi. C'est réussi. Ouais, c'est réussi. C'est le combien de magal que tu fais, toi? Ouais, je peux pas raconter moi depuis que je suis né. Depuis que t'es né, tu fais magal. Voilà, c'est la fin du magal. Et ce qu'on doit dire, c'est. Jerejef Serigne Touba. Ah, c'est bien. Ça avance pas. On est stoppé. Bon voilà, c'est la fin de notre voyage. On va rentrer sur Dakar. Mais avant ça, je vais aller remercier quand même la famille parce qu'ils m'ont réservé un super accueil. J'ai passé vraiment des bons moments ici pendant le magal. Donc voilà, je vais aller les remercier. Damana bokon djadjefal. Ngir sen accueil bi. Fetti nakhuna ma lol, nakna ma sour, nana ba manji. Té dama xamanté ak ñi ci bari fi. Ak ñi tu bax. Donc content na lol, rek na lol. Li ma taxal moy On a de la chance parce que Ali nous a trouvé une voiture, donc un pick-up qui va nous emmener jusqu'à Dakar. J'ai trouvé une belle voiture, il y a la clim, il y a tout. Ah ouais? C'est cool, ouais, on va aller à Dakar tranquillement. Ouais, j'aime. C'est cool, c'est ça la voiture? Ouais, la voiture est là, tu vois. Ok, vas-y. Attends, on va y aller là. Quoi? Hein? Quoi? Ciao. Ici là, la voiture? Non, ici. Non, c'est derrière. Derrière où ça? Oui. Il y a des places ici là? C'est là où on va se mettre pour partir à Dakar. Ah bon? Ouais. Derrière. C'est pas des places ça? Ici, il y a les plages, ici. Ici, là. Oui, ici. Elle est où, la ceinture? Quelle ceinture? Non, il n'y a pas de ceinture, ok. On va faire 400 km comme ça. 400 km comme ça, oui. Bien sûr, mes parents, ils vont pas voir la vidéo. Hein. Ouais, je sais pas, hein, mais on fait comme ça, on rentre. C'est légal, ça? C'est légal, oui. Il n'y a pas de problème, ouais. C'est comme ça, on va rentrer. Bon, bah, mets ta ceinture. Hein. Tu as trouvé ici une ceinture? Est-ce que tu as trouvé ici une ceinture? Lido, faut pas m'énerver. Bon, okay.
Bon, on n'a pas trop de place, mais on va faire comme ça, on va se débrouiller quoi. On va se débrouiller. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est. C'est pour moi? Ça, c'est pour toi, je sais que tu peux pas supporter le soleil quand même. Ah, nous, on merci. Est déjà des caisses de charbon, on est déjà brûlés. Hein. Voilà. Hein. Merci, merci, vas-y. On fait comme ça. Tu comme vois, ça là? Comme ça. Ah, vas-y, je vais essayer. Essaye. Non, tu vas le mettre contre le soleil. Comme ça, tu sers là où se trouve le soleil, tu mets comme ça. Ouais. Tu vas. C'est bon, ça marche. Ça marche, ouais. Ça marche, ouais. Ça marche, ouais. Nickel, hein. Nickel. C'est cool. J'aurais pas de soleil comme ça. Tu vas gérer. Ouais. C'est sûr. J'essaie. Jusqu'à Dakar. Ouais. Pas, j'ai trouvé une solution, la solution adéquate contre le soleil. Franchement, là, c'est bien. J'ai même pas besoin de le tenir. Ah. Ça protège toute la tête. Tu vois, t'as bougé le père. En plus, j'ai la vache noire. Le Shaolin. Le Shaolin. Voilà, on est parti. On est parti. Ceci était la maison. On a passé le magal. Et voilà, on s'en va. C'est la fin. Ouais, on y va, ouais. On est parti. On est parti. Jusqu'à la prochaine. Ouais. Comment on dit? Dewenati. Dewenati. Feke Dewen. Feke Dewen. Amin. 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 Moi je fuck dans le game, je prends le mix. Je tag ma miss. Tout le monde me voit que j'ai la tête de maudit. Yeah. Et sinon, ma Nicole, mon nom, oui. Pour la Wana qui s'est embrouillé comme un grand bandit. Yeah. Ma maman me dit de faire l'école. Mais maman, faut dire, moi je veux voir. Tu sais que je veux voir que tout le monde. Hey, yeah, je gagne money today. Grâce à Dieu, fini, je ne dors plus chez maman. Hey, je gagne money today. Yeah, yeah. Amour la money dans la sacoche. Je t'ai dit démarrer mais t'es mon amour. Ce soir c'est sa mère, mais comment? Quand j'entends je ne vais plus oiseau au salon. Mais c'est des salopes, mais c'est des salopes. Pacha du coco, le parrain de la chose. C'est mon dieu. Mais bébé tu sais très bien pourquoi fous l'homme dans l'Orange Rova. On va quitter le sky, on va piquer la galère. Et on va dérancer le Makosa. Tu n'as malade, tu m'as taillé à mon front. T'es mon mini kill, on va piquer la langue. Tu dis viens, tu dis oui, t'es un autre problème à l'homme. Si oui, viens, bébé, attrape-moi par la main. Tu sais que moi je t'aime. Je répète, la même phrase. Même si faut d'habitude. Ça parle du bizarre, mais. Ouais, c'est aussi, ouais. Mais là, il y a des embouteillages. Il y a l'embouteillage, tu vois. Alors, il va pleuvoir. Oui, il va pleuvoir. Ça commence déjà là. Ouais. Et tu trouves comment le bagel et tout? C'est nice. C'est cool. Tu as aimé? Ouais. J'ai envie de rentrer à Dakar quand même. Ouais. Mais il faut qu'on rentre à Dakar pour tout, Inch'Allah. Abi, ouais. On est là, ça pleut. J'ai tout. Moi, j'adore la pluie. Ouais, 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 ouais. Regarde comment il pleut. Regarde comment il pleut. Regarde comment il pleut. Ouais. Ouais, je vis quoi. Tu vois, la pluie s'est versée sur nous. Ouais. Parce qu'il y avait ouais, pas de couverture. On est là, la famille. Ouais. Ouais, on est là, la famille. Ouais. On est là. On est là. Hey ouais. Est-ce que tu te rends compte? Bon, là on prend l'autoroute, c'est rapide non? Autoroute, mais avec le jour là, moi.
C'est la savane, quoi. C'est pas une forêt, c'est une savane. Il y a du mic, des champs, du mic, de l'arachide. Dans mon cœur, tant de douleur, de déboire. Tu t'y rends le bonheur, mais cette fine lueur d'amour était fade, dévouée à la débauche. Bon voilà, on vient de rentrer à Dakar. Et on peut dire que c'était pas le voyage le plus facile. C'était un peu éprouvant quand même, parce qu'il y avait la pluie, le froid. Moi j'avais très froid. J'avais tellement froid, j'ai trouvé un sac poubelle par terre pour me protéger en fait de la pluie. J'avais piqué de toi, mais c'est vrai. Mais moi j'avais froid quoi, au Sénégal j'ai eu froid. Non franchement le magal c'est pas une chose facile hein, franchement. Tu vas refaire le magal l'année prochaine toi? C'est pas une question. C'est pas une question. Depuis que je suis né, je fais le magal. Ah ouais? Depuis que ma mère m'a enceinte, je faisais le magal dans le ventre de ma mère. Waouh, donc là tu l'as fait 26 fois. Je ne vais jamais arrêter, même si c'est dur, je ne vais jamais arrêter à partir au magal. Parce que je connais, ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas trop découvert le vrai sens du magal. Il y a un vrai sens. Pourquoi les mourides, ils se tuent. Ils prennent tout leur bien, ils mettent dedans. Tout ce qu'ils croient, c'est Serigne Touba. Avec Serigne Touba est quelqu'un, un homme multidimensionnel. Il a écrit plus de 7500 dans l'histoire. Ouais. Aucun être humain n'a jamais écrit plus de d'une tonne. Lui, il a écrit 7 tonnes. Celui qui dit que ça, c'est pas vrai, il peut aller jusqu'à Touba. On va l'amener à Dar Kamé, la bibliothèque des Mourides. Ce que Serigne Touba a fait pour que les muscles le suivent, les gens doivent chercher ça. Pourquoi ça? Moi, je connais. Moi, je sais. Mais Serigne Touba, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je peux donner ma vie pour lui. Je peux donner tout ce que j'ai pour lui. Tu vois ce qu'on a dépassé le magal. C'est le mur. Bon bah Habib, merci de m'avoir accompagné pendant tout ce magal. Je t'ai pas demandé de te présenter, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Alors, je m'appelle Habib, je suis sénégalais, 100% sénégalais. Ouais. Je suis né au Sénégal, grandi au Sénégal, j'ai mes parents au sénégalais, tu vois. Je suis diplômé en infographie et maquettiste. Je suis un spatio qui est la stand-up comedy. Je suis aussi un créateur de contenu comme toi. Ce que je vois... Ouais. Aujourd'hui, c'est être le premier Sénégalais à jouer au Marrakech du Rire, jouer au Montreux. Parce qu'ici au Sénégal, tu vois que faire le stand-up en français, c'est une chose tellement rare. Il n'y en a pas en fait. Ok, bah, je te souhaite bonne chance alors. Merci. J'espère que tu réussisses. Merci. T'as tout le talent qu'il faut. Ah, je pense. Ouais. J'espère. Faut juste le développer quoi. J'espère. Ok, merci. Dialogue. Ok, Dialogue. Dialogue.